salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo de Dead by Daylight Killer avec le Nemesis, un build bien basé sur l'utilisation combinée du M1 et du M2. C'est parti. On va prendre l'impasse du Cénobite qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc. Vous allez prendre les crochets flagellateurs et côte douleur de l'artiste qui fait qu'en début de game vous avez 4 crochets qui sont placés sur la carte, vous verrez leur aura en blanc. Vous avez un jeton par survivant et la première fois dont vous allez hook un survivant à l'un de ces crochets, vous perdez son jeton. Le générateur avec la meilleure progression explose, il perd immédiatement 25% de progression et il va commencer à régresser. Une fois que vous n'avez plus de jetons, ces crochets donc se désactivent et redeviennent des crochets classiques. On va prendre garder meilleur pour la fin de Myers, vous avez une obsession. Chaque attaque de base donc qui n'est pas infligée à celle-ci vous donnera un jeton et une réduction cumulable de 5% sur la récupération donc de vos attaques de base réussies et ce jusqu'à 8 jetons. Lorsque vous avez frappé votre obsession avec une attaque de base, vous perdrez donc 2 jetons et si elle meurt, vous ne pouvez plus en gagner ou en perdre jusqu'à la fin de la partie. Enfin, l'intervention impure de l'épidémie. Les 3 générateurs donc les plus éloignés de vous sont bloqués par l'entité pendant 2 minutes en début de game. Les survivants ne peuvent pas les réparer et vous verrez leur aura en blanc. Si vous mettez donc un survivant en état critique, cette compétence se désactive. En add-on, le carnage de tyran qui va augmenter de 75% le taux de mutation en détruisant des zombies avec coup de tentacule, qui va réduire de 7,5 secondes le temps de réapparition donc des zombies. Et enfin le sang de Marvin qui va augmenter donc le taux de mutation en frappant des survivants avec coup de tentacule de 25% pour ceux qui sont non contaminés et de 75% pour ceux qui sont contaminés. Alors l'idée dans ce build est simple, déjà avec les deux add-ons, vous allez utiliser au maximum votre coup de tentacule en début de game pour pouvoir passer le plus rapidement possible en tiers 2. Une fois que vous êtes en tiers 2, vous allez pouvoir détruire les palettes donc au niveau donc des chases avec votre coup tentacule et donc vous pourrez mettre un maximum de pression. Lorsque vous serez en partie et que vous voyez des zombies qui sont dans des zones qui ne sont pas forcément eh bien, utiles pour vous, n'hésitez pas à aller les détruire. Vous aurez déjà le bonus donc de mutation qui va être de 75% et en plus de ça, vous avez donc un bonus de 7,5 secondes de réduction donc de temps de réapparition, ce qui vous permettra en fait de jongler en fonction de certains spots vos zombies. Avec l'impasse, vous allez ralentir naturellement la partie puisque dès qu'un générateur est réparé, l'entité en bloque un autre, ce qui vous permettra en plus de ça de pouvoir encore une fois passer le plus rapidement possible en tiers 2, voire en tiers 3 donc, afin d'utiliser au mieux votre pouvoir. Avec le crochet flagellateur donc de l'artiste, vous allez ralentir naturellement la partie puisque si jamais vous mettez eh bien, un survivant en état critique à côté d'un crochet flagellateur, vous avez donc le hook. Le générateur donc avec la meilleure pression va exploser, ce qui fait que si jamais vous êtes en difficulté, vous pourriez empêcher le forcing d'un générateur. Par contre, à l'inverse, si vous dominez votre partie, n'hésitez pas à en conserver peut-être un ou deux afin d'essayer de renverser donc un forcing d'un générateur qui permettrait aux survivants d'accéder au endgame et donc aux portes de sortie. Avec le gardien le meilleur pour la fin, donc ça se combine très bien avec le pouvoir du Nemesis, vous allez maximiser donc vos jetons, essayez toujours d'en avoir entre 6 et 8, vous allez faire pourquoi pas une attaque M1 donc sur un survivant qui était contaminé, vous allez récupérer rapidement et ensuite de ça vous pouvez enchaîner donc avec une attaque M2. Si jamais vous êtes en tiers 3, le coup de tentacule porte très loin, ce qui fait que dans certaines situations, vous pourriez être quasiment amené à tout taper un survivant. Je vous laisse en découvrir ce gameplay, ça se passe sur Coldwin. Si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu et la cloche. Retrouvez-moi sur Twitch du lundi au samedi. Amusez-vous bien sûr des BD et bonne chasse à tous. Ouais, Coldwin. Elle est là. C'est une mec. Ah non, c'est la Kate, pardon. Parfait. Et re Sky. Ah, oh, je me suis fait. Ah voilà, je peux faire. Heureux Sky. Ah non, à la fin tout droit, bien joué. Bien joué, bien joué, mademoiselle Red. Mais pourquoi tu t'excuses? Je vais pas t'excuser, hein. Parfait. Ah bah la droite là. Voilà, on va la donner et là elle va fake, elle va retourner par là. On va la mettre au sol pour avoir un gardon. Voilà, parfait.
Ok, on a perdu un gène. On est déjà tier 2, c'est pas mal. Pour la mettre sur un crochet flash. Ça va, mes games? Ouais, mes games. Ah, écoute, dans l'ensemble, ça va. Là, j'ai eu une game démo où en gros, je fais des bons moves et tout. Mais ça a pas trop mal réparé. Du coup, bah, j'ai perdu sur la fin. Mais dans l'ensemble, ça va en vrai. Je dirais que ça va. C'est ok. Ils ok. Là, il y avait quelqu'un, mais comme je suis Miro, de toute façon, je vois que dalle. Hein? Salut les refs. Elle revient. Allez, on va sur elle. Hey, salut Exo, ça va et toi? Oh, quoi? Bien joué. Ouais, bien joué, j'ai raté. Bon, là par contre, je t'ai eu. Là, je pense qu'elle va continuer, ben oui. Bien joué. Ça, c'est un peu. Ça, tu vois, c'est un peu débile de. C'est un peu débile de gaspiller des palettes comme ça. Ça va super bien, Exo, c'est toi. Bon, après, on va partir en surve comme ça. Je t'attendais, Sky, tu vois. J'ai dit aux gens, j'ai fait ouais, Sky et tout. Elle m'a demandé de faire du surve. Et maintenant qu'elle est là, genre, j'ai lancé live et tout, elle est pas là, tu vois. J'ai eu mal au cœur. Oui, d'accord, demain, Zarina, demain, demain, moi. C'est vrai, hé. C'est absolument vrai, ce mensonge. Ce mensonge est absolument vrai. Putain, mais. Oh, let's go! Je savais que t'étais là, vilaine. Voilà, viens là que je te fouette. Voilà, merci beaucoup, Lucrang, de ton soutien. Viens là, Zarina, là. Viens là que je te fouette un peu, là. Oh, la fake, la fake. Eh ben non, elle fake pas, en fait. Ok. Ah non, elle fake pas, hein. Elle a bien continué. Hein. Ok, ok, ok. Et je cours. Ah oui, d'accord, ok, il y a quelqu'un là. Ah, salut Kate. Ça va, Maros? Non, mais c'est une dinguerie comment je suis Miro, quoi. Salut Kate. Ok, ils sont là, bien joué ça. Oh, il y a masse monde là. Ok, ok, j'aime. Je viens, Mickaël. Moi, ça me dérange pas, mon ref. Hein. T'as mangé Kep? Non, j'ai mangé des Icovers. Hein. Ouais, là, par contre, je me doutais bien que t'allais faire un tout droit. Abuse pas, quand même. Des Icovers au pesto. C'était superbe. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a Kate qui est là-bas. On va essayer d'y aller. Atterrissage équilibré, pas mal, bien joué ça. Le strafe qui passe. Ok. Ok, l'autre est là-bas. Y'a aucun problème. Oh putain, merde le bidon. Y'a pas de problème, Peter. Passe une très bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé, tout simplement. Super gentil de ta part.
armor up. Pas mal ça. Ok, elles sont là-bas. Bon, du coup, tu vois là. Les survivants, du coup, ils ont mis une énorme pression à un moment donné. Et le slug m'a permis tout simplement en fait de renverser entre guillemets cette cette pression. Donc on est pas mal. Là-bas il y a parfait. Pareil, un truc tout bête en survivant, sachez que la hitbox du survivant, elle est plus grande quand vous regardez par derrière. Donc en fait, quand vous êtes par exemple avec Nemesis, Huntress, etc., n'hésitez pas à viser le cul en fait. Ça peut paraître complètement con, mais c'est la vérité. Vous aurez une hitbox qui sera plus grande à l'arrière en fait du corps des survs. Du coup, vous aurez plus tendance à toucher avec que ce soit les haches, etc. et tout, par derrière que par devant. Parce que ça par derrière, c'est 10 balles moins cher. Mais c'est quand même la vérité quoi. Voilà pour. Pas mal ça. Bah sur le jeu ouais, après IRL ça dépend du goût de chacun, mais bah, en tout cas sur le jeu c'est pas mal ouais. Ok. Oh, jolie DS. Stylé ça. Elle est où? Ok, elle est là. DS des dardes. Ok, intéressant, bien joué. Mais là, du coup, Cadbury, pour toi, c'est fini. Toujours emprunter la solution de secours. Bah non mais c'est vrai hein, parfois tu sais on n'a pas malheureusement de solutions et parfois malheureusement des sacrifices doivent être faits. Un grand pouvoir implique t'as capté quoi. Oh bah c'est bien de se avec Nemesis, j'ai un point aussi. Hein. Un million. Ouais, d'accord, ok, j'aime bien. Oh, ça me clique. Ah, toi tu veux me prouver quelque chose, toi. Toi, t'es là pour batailler, toi. Oh, bien joué. Oh, bien joué, tu m'as prouvé quelque chose déjà. Là, tu m'as prouvé que. Oh, comment ça, je t'avais brain. Ça a dû te frôler la moustache. Vas-y, le fake maintenant, bien joué. Oh là 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 là, Zarina, tu me régales. Zarina, tu me régales. Dommage. T'as droit à un traitement spécial, la cave. En vrai, elle m'a bien déchiré là pour le coup. C'était propre. C'était propre, net et sans bavure. Elle était pas mauvaise. Bah là, elle a fait deux beaux moves là. Elle a fait deux beaux moves. Elle a fait vraiment deux beaux moves. De toute façon, je pense qu'ils sont par là-bas. Les zombies. Ok. Y a rien. Mmh.
ok. Le QTE qui est raté. C'est terrible. Ok, je l'ai vu. Ok, je croyais l'avoir vu. Ok, c'est terrible. T'es là? Oh la dinguerie, quoi. Putain, pour mon anniversaire, j'ai demandé à Riri de m'acheter une nouvelle paire de lunettes, hein. Ouais. Ah, bah voilà! Véronie! Oui, d'accord, demain, demain. D'accord, Véronie, d'accord. J'aime ce que tu me proposes, Véronie. Putain, je me stuck dans ma caisse de ravitaillement, là. Véronie, Véronie. Ok, Véronie qui va sauter. Bien joué, ça, Véronie. Oh, bien joué, je pensais que ça passait sur le talon, là. Allez, mon zombie, Georges! Ouais, c'est moi, t'es viré, Georges. Intéressant. Ça a forcé le... Enfin, ça finit le générateur là-bas. Et donc maintenant, il nous reste plus qu'à trouver la Kate. 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 Non. Par là-bas. Bon, bah GG. GG.